La sauge blanche. La sauge blanche est disponible à Douala maintenant. Parfois, je fais des lectures, je dis que Mbolo, Mbolo. Parfois, je fais des lectures, je vous dis qu'il faut purifier votre environnement. Parfois, je fais des lectures, je vous dis purifier votre maison. Donc, la sauge. La sauge, c'est à quoi? Tu as passé une mauvaise journée, tu es fatigué, tu as fait un mauvais rêve. Déjà, la sauge doit même s'utiliser le matin et le soir. C'est comme l'encens normal qu'on utilise en brindille, là. Comme l'encens-ci. La sauge a le même effet. Le but, c'est que la fumée se propage dans la maison et que ça chasse les mauvais esprits, les mauvaises ondes qui sont chez toi. Voilà. Donc, la sauge que je vends, elle est comme ça. Donc, ce que tu fais, tu ne brûles pas tout en un jour. Hein. Donc, tu allumes. Ça, peut-être tu vas faire ta prière. Peut-être tu vas lire ta Bible. Peut-être tu vas te coucher. Tu mets juste un peu comme ça. Une fois que ça a pris, où est la fumée, non? Tu mets comme ça en parlant. Voilà, je purifie l'atmosphère, j'enlève les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. Vous voyez que ça a pris. Vous pouvez laisser ça, vous déposer un peu. Normalement, la façon dont ça a été attaché, ça ne va pas durer longtemps. Après, ça va s'éteindre. Mais normalement, un peu comme ça, c'est bon déjà pour l'atmosphère. Maintenant, quand tu aménages dans une nouvelle maison, tu peux prendre ça, tu détaches le paquet, tu brûles ça dans toute la maison. Donc, tu divises en deux, trois parties, tu mets dans toute la maison. Comme ça va stériliser, on va dire comme ça, l'atmosphère dans toute la maison. Voilà, donc ça, c'est pour la sauge.